auriez-vous l'obligeance de m'offrir votre main? Après votre mort, naturellement. Exception des huiles régénérantes. Ça, je garde.
est à vendre. À l'exception des huiles régénérantes. Ça, je garde. Où est la petite? J'ai besoin d'elle!
Soyez raisonnable, Lisette. Nous ne pouvons pas rester ici. Pourquoi ? Parce que nous sommes des Templiers. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? Que nous devons déclarer notre indépendance ? Aller nous enfermer dans une forteresse et ne plus rien faire ? Votre enchanteresse Vivienne est bien lotie. Elle reste loyale au cercle et à la chanterie. Quand serez-vous en mesure de nous procurer... Quand elles seront prêtes. Allez, Oust, elle dit ce qu'il faut, mais sans conviction. Ce groupe de mercenaires qui a rejoint l'Inquisition, la charge du taureau... Ils ont leur propre guérisseur. Il m'a montré quelques trucs. J'ai réussi à arrêter la suppuration d'une griffure de démon plus rapidement que jamais. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-nous signe.
n'avait de nom, ni les cieux, ni la terre, ni l'océan, ni le soleil. Seul existait le silence. Alors la voix du Créateur retentit, le premier Merci verbe. Pour toute votre aide. Et son verbe devint tout ce qui serait jamais. Rien n'avait de nom, ni les cieux, ni la terre, ni l'océan, ni le soleil. Seul existait le silence. Vous avez lu le message que j'ai envoyé ? Oui, merci. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre le château. Soit nous trouvons un autre accès, soit nous allons chercher les Templiers. C'est tout. Golfalois est aux mains d'un magistère. On ne peut pas tolérer ça. La lettre d'Alexius demandait expressément le messager d'Andraste. C'est forcément un piège. On n'a pas le temps de se chamailler. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Un magistère Tevintide s'empare de Golfalois, nous invite au château pour parler, et certains d'entre nous n'ont pas l'intention de réagir. Oh, ça suffit. Le château de Golfalois est l'une des forteresses les plus défendables de Ferelden. Elle a résisté à des milliers d'assauts. Si vous y allez, vous mourrez. Et nous perdrons notre seule chance de refermer ses failles. Il en est hors de question. Et si on ne fait pas l'effort de rencontrer Alexius, on perd les mages et on laisse une puissance étrangère hostile sur le pas de notre porte. Même si nous pouvions attaquer le château, ça ne servirait à rien. Envoyer une armée de l'Inquisition orlésienne à Ferelden, ce serait la guerre assurée. Nous n'avons pas le choix. Le magistère a été plus malin. On ne peut pas baisser les bras. Il doit bien y avoir une solution. On ne peut pas s'avouer vaincu. Il doit bien y avoir une solution. Où est le Jarl de Golfalois ? Il a sûrement envie de récupérer son château. Après son éviction, le Jarl Tigan s'est rendu à Denerim pour solliciter l'aide de la couronne. Je doute qu'il veuille de notre assistance une fois son château assiégé par l'armée féreldienne. Attendez. Le château cache un passage secret. Une issue de secours pour le maître des lieux et sa famille. C'est trop étroit pour nos troupes. Mais on pourrait y envoyer des agents. C'est trop risqué. Ils se feront repérer bien avant d'atteindre le magistère. Pas si on fait diversion.
C'est là que l'envoyé si cher à Alexius entre en jeu. Focalisez leur attention sur Trevelyan. Et pendant ce temps, nous nous occuperons des Tevinted. C'est risqué, mais ça peut marcher. Heureusement, vous aurez de l'aide. Cet homme dit avoir des informations sur le Magistère et ses méthodes, commandant. Vos espions ne passeront jamais la magie d'Alexius sans mon aide. Donc, si vous voulez vous attaquer à lui, je vous accompagne. Ce plan risque d'être extrêmement dangereux pour vous. Nous ne pouvons pas vous forcer la main. Nous pouvons toujours tenter de recruter les Templiers si vous ne voulez pas servir d'appât. À vous de voir. Annoncez-nous. L'invitation du Magistère s'adressait à Maître Trevelyan uniquement. Les autres doivent attendre ici. Si mes amis ne peuvent pas entrer, je n'entrerai pas non plus. Monseigneur, les agents de l'Inquisition sont arrivés. Cher ami, quel plaisir de vous revoir. Vos camarades aussi, bien sûr. Je suis sûr qu'ensemble, nous pourrons convenir d'un arrangement équitable pour tous. Et les mages? On n'aura pas notre mot à dire sur notre propre sort? Fiona, vous ne m'auriez pas confié vos fidèles si vous ne me faisiez pas confiance. Si la Grande Enchanteresse veut faire partie des négociations, je la convie en tant qu'invitée de l'Inquisition. Merci. L'Inquisition a besoin des mages pour refermer la brèche, et donc de moi. Mais que me proposez-vous en échange ?
J'aimerais plutôt discuter de votre magie temporelle. Je crains de ne pas voir de quoi vous parler. Il sait tout, père. Félix, qu'est-ce que tu as fait? Votre fils a peur que vous vous soyez impliqué dans une terrible organisation. Dis le voleur de service. Vous croyez pouvoir monter mon fils contre moi? Vous entrez dans mon bastion avec cette marque volée, un don dont vous ne comprenez rien. Et vous croyez tout contrôler. Vous n'êtes qu'une erreur. Puisque vous en savez tant, éclairez-moi. À quoi sert cette marque sur ma main? Elle appartient à vos supérieurs. Vous seriez incapable de comprendre sa finalité. Père, vous vous entendez parler. Arrêtez. Le parfait stéréotype du méchant que tout le monde veut voir en nous. Dorian, vous auriez pu faire partie de tout ça, mais vous avez refusé. Les pouvoirs de l'Ancien dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Il fera renaître l'Empire de ses cendres. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de pouvoir remonter le temps? Il rétablira le règne des mages sur le monde, de l'océan de Boéric à la mer de glace. Vous ne pouvez pas impliquer mon peuple là-dedans! Alexius, c'est exactement ce dont on parlait, ce qu'on voulait éviter à tout prix. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez, père. Oubliez les Vénatories. Laissez les mages du Sud s'occuper de la brèche et rentrez avec moi. Non. C'est la seule solution, Félix. Il peut te sauver. Me sauver? L'Ancien a une solution, il me l'a promis. Si je corrige l'erreur du Temple... Je vais mourir. Il faut que vous l'acceptiez. Attrapez-les, Vénatori. L'Ancien a ordonné la mort de cet homme. Vos hommes sont morts, Alexius. Vous êtes... une erreur. Vous n'auriez jamais dû exister. Non ! Par le sang de l'Ancien, d'où ils sortent? Probablement pas ce qu'Alexius avait prévu. La faille nous a déplacés... vers quoi? La confluence d'énergie mystique la plus proche? La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être dans le hall du château. Attendez. Si on est toujours dans le château, ce n'est pas... Oh, je sais! La question n'est pas seulement où, mais quand. Alexius s'est servi de l'amulette comme prisme. Elle nous a déplacés dans le temps. Ça s'annonce mal. Ça s'annonce terriblement mal. Tout dépend de quand on est et de ce qu'il s'est passé pendant notre absence. Regardons autour de nous pour comprendre où la faille nous a emmenés. Ensuite, on trouvera comment rentrer, si on peut. Qu'est-ce qui se passera si on ne peut pas rentrer? On se mettra à l'aise dans notre nouveau présent.
Andraste me protège, Andraste me protège. Mes larmes sont mes péchés, mes péchés, mes péchés. Andraste me guide, Andraste me guide. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Andraste me protège, Andraste me protège. Par la sainte culotte d'Andraste, vous êtes vivant. Et où est-ce que vous étiez? Comment vous êtes-vous échappé? On ne s'est pas échappé. Alexius nous a envoyés dans le futur. Il vous arrive toujours des trucs étranges. Vous n'avez pas l'air en forme, Varric. Que s'est-il passé? Attention à ce que vous dites. J'ai très bonne mine pour un mort. Vous n'êtes pas plus mort que nous. Du lyrium rouge, si ça vous tue pas immédiatement, c'est pire. Enfin, je dis ça comme ça. On trouve Alexius, et je pourrais peut-être nous renvoyer dans notre temps. Facile, non? C'est... ce sera peut-être pas aussi facile que vous le croyez. Alexius n'est qu'un serviteur. Son ancien a assassiné l'impératrice et mené une armée de démons dans une invasion colossale du sud. L'ancien contrôle tout. Enfin, tout ce qu'il reste. À votre place, ce n'est pas vraiment Alexius qui m'inquiéterait. Varric, je vous promets qu'on fera en sorte que rien de tout ça ne se produise. Je suis pratiquement sûr que vous êtes fou. Ou que moi, je suis fou. Dans tous les cas, ça fait plaisir. Vous voulez attaquer Alexius? Je viens avec vous. C'est parti.
La lumière lui fera traverser dans la paix les voies de ce monde et de l'au-delà. Pour celle qui s'en remet au Créateur, le feu est son eau. Vous êtes revenu parmi nous. Est-ce possible? Andraste nous offre une deuxième chance. Que le Créateur nous pardonne. J'ai échoué. J'ai déçu tout le monde. La fin doit vraiment être proche si les morts reviennent à la vie. Vous avez l'air blessé. On peut vous aider? Il n'y a plus rien à faire pour moi. Je rejoindrai bientôt le Créateur. Alexius nous a envoyés dans le futur. Si on le trouve, on trouvera peut-être un moyen de retourner dans le présent. Vous voulez remonter le temps? Alors, vous pourrez vous arranger pour que rien de tout ça n'arrive? J'espère y arriver, en tout cas. Rien de tout ça n'arrivera. Andraste, je vous en prie, faites que ce soit vrai. Alexius s'est enfermé dans la salle du trône. C'est là qu'on le trouvera. Quelle est la date d'aujourd'hui? Il faut que je sache combien de temps s'est écoulé. Demetra. 9. 42. Du dragon. 9. 42? Alors on a sauté une année entière. Nous devons repartir. Revenir en arrière. Pitié. Empêchez ça. Alexius. Obéis à l'ancien. Plus puissant que le Créateur. Aucun de ceux qui le défient n'a survécu. Je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rétablir la situation. Notre seul espoir est de trouver l'amulette qu'Alexius a utilisée pour nous envoyer ici. Si elle existe toujours, je pourrais m'en servir pour rouvrir la faille à l'endroit d'où on est parti. Peut-être. Bien. J'ai dit, peut-être. On pourrait aussi finir en purée. Il faut essayer. Votre maître espionne, Leliana. Elle est là. Trouvez-la.
Vite, avant que l'ancien ne sache que vous êtes là. Si le lyrium rouge est une infection, nom du créateur, il en sort des mots. De leur âme. Ah, la bande est de nouveau réunie. Et maintenant, c'est quoi la suite ? Jetez un coup d'œil. Il y a peut-être des trucs utiles.
Le créateur n'existe pas. L'ancien a pris tout ce qui lui appartenait et régnera bientôt depuis sa cité. Ça n'en fait toujours pas un dieu. En paix auprès du Créateur. Comment Trevelyan a-t-il su qu'il y avait un sacrifice au... Vous allez y parler! Je préfère mourir. Ou vous voir mourir. Vous êtes vivant? Vous êtes en sécurité maintenant. Vous êtes revenu d'entre les morts. Il va falloir faire un peu mieux que jouer la sécurité. Il faut en finir. Vous avez des armes? Bien. Le magistère est sûrement dans ses appartements. Vous ne voulez pas savoir comment on est arrivé là? Non. Alexius nous a envoyés dans le futur. Tout ça, sa victoire, son ancien, ce n'était pas écrit. Je suis désolé pour tout ce que vous avez subi. Il faut qu'on annule son sort. Si on arrive à revenir dans le présent, on pourra empêcher ce futur de se réaliser. Et les mages se demandent encore pourquoi les gens ont peur d'eux. Personne ne devrait avoir ce pouvoir. C'est dangereux et imprévisible. Avant la brèche, on ne faisait rien qui... Ça suffit! Tout ça, c'est irréel pour vous. Ce futur que vous espérez ne jamais vivre, moi, je l'ai vécu. Le monde entier l'a vécu. C'était bien réel. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on était partis? Taisez-vous. J'essaie juste de me renseigner. Non. Vous parlez pour meubler le silence. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il s'est passé, croyez-moi. Il faut qu'on trouve Alexius, il est sûrement dans les beaux appartements du château. Il y en a. Thank you.
Magistère a besoin de plus de puissance pour ses rituels. Non. Ne me faites pas de mal, Linnea. J'aurais jamais voulu ça. Thank you.
Où est Félix? Vous le savez? Oui, je le sais. Et vous ne comptez pas me le dire? Vous le saurez bien assez tôt. La nouvelle déco d'Alexius. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne le perdez pas. Je veux l'examiner plus tard. Chanteur, vite! Empêchez-les de monter l'escalier! Comme eux.
passé ici? Tout le raffinement de la décoration intérieure Venatori. Pour prendre de la hauteur. Attention, vous marchez !
l'escalier! Sauver ses fidèles. Retournons au Grand Hall. Je crois savoir comment ouvrir cette porte. Pas de Venatori cette fois, Alexius? Où est le piège? Vos gardes? Ça ne sert plus à rien. Je m'attendais à vous revoir. J'ignorais que ce serait maintenant, mais je savais que je ne vous avais pas vaincu. Mon ultime échec. Ça en valait vraiment la peine? Tout ce que vous avez infligé au monde, à vous-même? Ça n'a plus d'importance. Il ne nous reste plus qu'à attendre la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? La fin de quoi? Quelle ironie de vous voir réapparaître maintenant. Les chances étaient pourtant minces. Tous ces combats, toutes ces trahisons. Et qu'est-ce que j'ai provoqué? Mort et ruine, voilà le résultat. L'ancien va venir, pour moi, pour vous, pour nous tous. Félix! C'est Félix? Nom du créateur, Alexius! Qu'est-ce que vous avez fait? Il allait mourir, Dorian. Je l'ai sauvé. Ne faites pas de mal à mon fils. Je ferai tout ce que vous voudrez. Vous ne l'avez pas sauvé, Alexius. Personne ne devrait avoir à vivre comme ça. Non! Non! J'ai tout sacrifié pour Félix! Acceptez votre mort.
En fait, il voulait mourir. Toutes ces histoires qu'il se racontait, les justifications... Il a perdu Félix il y a longtemps et il ne s'en est même pas rendu compte. Oh, Alexius. Je sais que vous teniez à lui. Il fut un temps où c'était l'homme que j'admirais le plus au monde. Triste, non? C'est cette amulette qu'il a utilisée. Je crois que c'est celle qu'on a faite à Minrati. On a de la chance. Donnez-moi une heure pour travailler sur le sort dont il s'est servi, et je devrais pouvoir rouvrir la faille. Une heure? C'est impossible. Vous devez y aller maintenant. Vous devez faire vite. Ça... sera pas bon. On défend la porte principale. Dès qu'elle tombera, à vous de jouer, Rossignol. Et si on n'y arrive pas à temps? Alors cette réalité sera notre réalité pour toujours. Regardez-nous, on est déjà mort. Notre seule chance de survivre, c'est d'empêcher ce jour d'arriver. Votre sort, vous avez autant de temps que j'ai de flèches. Les ténèbres se rapprochent, mais je suis protégée par la lumière. Andraste me guide. Créateur, je suis à toi. Si vous bougez, on y passe tous! Il va falloir faire mieux que ça. Abandonnez Golfalois, et on vous laissera la vie sauve.
Vous avez gagné. Inutile de faire durer cette mascarade. Félix. Tout finira par s'arranger, père. Tu vas mourir. Il faut bien mourir un jour. Eh bien, content que ce soit terminé. Ou pas. Grande Enchantresse, nous aimerions discuter de la façon dont vous avez abusé de notre hospitalité. Vos majestés, en offrant l'asile aux mages, nous ne leur avons en aucun cas donné le droit de chasser notre peuple de chez lui. Roi Alistair, Reine Anora, je vous promets que ça n'a jamais été notre intention. Suite à de tels agissements, vos bonnes intentions ne suffisent plus. Vos disciples et vous n'êtes plus les bienvenus ici. Quittez Ferelden, ou nous vous y forcerons. Mais des centaines d'entre nous ont besoin de protection. Où va-t-on aller ? Si je puis me permettre, nous sommes ici dans le but de recruter des mages pour refermer la brèche. Et quelles sont les conditions de cet arrangement ? J'espère que ce sera mieux que ce qu'Alexius vous a proposé. L'Inquisition vaut mieux que ça, non ? Je sais que vous êtes un mage, mais n'oubliez pas comment ces rebelles se sont comportés. Ils doivent être conscrits, pas dorlotés. J'en ai connu des mages. Ils savent être des amis loyaux, des amis qui prennent de mauvaises décisions, mais des amis loyaux malgré tout. Je crois qu'on n'a pas vraiment d'autre choix que d'accepter votre offre. Ce serait un honneur que vous combattiez aux côtés de l'Inquisition. On en reparlera. Plus tard. J'espère juste que le reste de l'Inquisition saura honorer votre promesse. La brèche menace tout Edas. On ne peut pas se permettre d'être divisé. On ne peut pas se battre sans vous. Tout espoir de réussite passe par votre soutien total. C'est une offre généreuse. Je doute que vous en receviez une meilleure de notre part. J'accepte. Ce serait idiot de refuser. Je vais rassembler mon peuple et le préparer au départ pour Dars. On refermera la brèche. Vous ne regretterez pas de nous avoir tendu la main. Ce n'est pas sujet à discussion. Il y aura des abominations parmi les mages, et nous devons y être préparés. Si nous retirons notre offre d'alliance, l'Inquisition aura l'air incompétente, si ce n'est tyrannique. Qu'est-ce qui vous a pris de libérer ces mages et de les laisser sans surveillance ? Le voile est déchiré. On a besoin d'eux pour fermer la brèche. S'ils deviennent nos ennemis, ça ne marchera pas. Je sais que nous avons besoin d'eux pour la brèche, mais ils pourraient provoquer autant de dégâts que les démons. Vous étiez là, chercheuse. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenue ? Je soutiens cette décision, même si je ne suis pas entièrement d'accord.
Le seul but de la mission du messager était d'obtenir l'aide des mages, et il y est parvenu. La voix du pragmatisme a parlé. Juste au moment où je commençais à apprécier cette dispute qui tournait en rond. Tout ce qui compte, c'est de fermer la brèche. J'ai eu un aperçu des conséquences qu'aurait notre échec. Veillons à éviter cela. Nous n'échouerons pas. Nous devrions examiner ce que vous avez vu dans ce sombre futur. L'assassinat de l'impératrice Selene ? Une armée de démons ? Ça pourrait être l'œuvre d'une secte Tevinted. Orlaïs s'effondre, l'Empire s'élève, le chaos pour tous. Une bataille à la fois. Cela va prendre du temps d'organiser nos troupes et de recruter des mages. Allons au centre de commandement. Venez avec nous. Après tout, c'est votre marque qui donne un sens à tout ça. Merci. C'est un honneur de vous aider à établir le plan. Rejoignez-nous lorsque vous serez prêts. Je vais passer le conseil de guerre, mais j'aimerais voir la brèche de près, si ça ne vous dérange pas. Ça veut dire que vous restez ? Oh, je ne vous l'ai pas dit. Le sud est tellement charmant et rustique. Je l'aime jusque dans ses moindres recoins. J'avoue être un peu surpris. Nous avons vu tous les deux ce qui pourrait arriver, ce que cet ancien et sa secte essaient de faire. Tout ce qui vient de Tevinter n'est pas néfaste. Certains d'entre nous se battent depuis des lustres contre ce genre d'aberration. Il est de mon devoir de rester avec vous. Cet avenir ne verra pas le jour. Je ne connais personne avec qui j'aimerais mieux être coincé dans le temps, à venir ou présent. Excellent choix. Mais j'aimerais autant éviter de me retrouver coincé à nouveau, pas vous ? Je vais lancer les préparatifs pour envoyer des troupes vers le sommet. Si le Créateur le veut, les mages suffiront à nous garantir la victoire.